Yo l'équipe, c'est Lurben. On se retrouve pour un nouvel épisode d'Ambé00. Aujourd'hui, on va parler de deux albums qui sont sortis la semaine dernière. Blo 2 de 13 blocs et Stamina de Dinos, c'est parti. Après Imani, Taciturn, la réédition Les Inachevés, Dinos nous a envoyé l'album Stamina. Comme il le dit lui-même, en cette période compliquée, il a voulu faire de la musique simple, efficace, que tout le monde peut écouter et sans trop se prendre la tête. Sur son projet, on peut retrouver de nombreux artistes, notamment Nekfeu, Laylo, Leto, Dea Uzi. Donc c'était un album très attendu, il a fait le meilleur démarrage de sa carrière avec déjà 23 000 ventes. Dessus, il s'est pas mal diversifié avec notamment des sons love, mais ça on l'avait déjà vu sur ce registre-là. Prends soin de toi, parce que je n'ai pas su le faire. Je vais me resservir un verre, puis un deuxième. Je ne respecte pas les règles, je ne respecte pas les thèmes. Il nous a fait de la drill sur le son Corbillard. Y'a de la blanche comme un coach là. Mon bout, ma ne se trompe jamais ta mère. Si je devais vous citer deux sons, je commencerai par le son Je Wanda en feat avec Taiki. Tu pleures, comme si tu portais nos deux cœurs. Même si je crie, tu pleures, mon amour faut rester. Pourquoi? Parce qu'on a enfin un chanteur de R&B en France, un vrai, et ça fait du bien d'avoir un peu de douceur dans nos oreilles. En plus, Dinos s'est totalement adapté. Le deuxième son que je pourrais vous conseiller, ce serait le son 93 mesures. D'abord parce qu'il est grave incisif, il est profond. En plus, Dinos s'est associé à Sofiane Pamar pour composer le son. Pour ceux qui ne savent pas, c'est un pianiste du conservatoire qui est présent sur la scène rap français. On l'a entendu dernièrement sur le son Papillon avec Zola. Merci Sofiane pour les travaux. En plus d'être un son de fou, c'est aussi un son qui parle des violences policières et ça fait écho à l'actualité française. Chaque contrôle de police me rapproche de mon fut avec Tupac. Mais dans tous les cas, moi l'album je l'ai trouvé ultra lourd, donc même si je vous ai conseillé deux sons, allez écouter en entier, vous ferez votre propre avis et en vrai tous les sons ils méritent d'être écoutés. Du coup après la trap love de Dinos, on va à présent parler de 13 blocs et leur trap qui est vraiment bien trop énervé. Mais avant toute chose, je vais d'abord vous faire une petite présentation de 13 blocs parce que c'est important de connaître un peu le background des artistes. 13 blocs est un groupe qui nous vient tout droit des Bodot à Sevran. Il a été créé en 2012 le groupe. Ils sont 4, il y a All P, The Four, Z et Stavo. Ils ont été beaucoup influencés par Mafia Quin Free ou Alpha 520, mais également par la trap d'Atlanta et la drill de Chicago. Blo 2 fait suite à Blo et sa réédition, et donc cet album il est sorti il y a une semaine. On va s'attarder un petit peu sur la pochette de Blo 2 qui fait référence à la pochette de Blo. Donc cette pochette elle a été créée par Fifou et on retrouve le lustre qui était dans Blo 1. Sur cette pochette ils sont toujours vêtus d'un blanc immaculé et on doit faire un SO à la grosse doudoune de Stavo je pense parce qu'elle est énorme. Sur cet album on retrouve 19 titres pour une durée totale d'écoute d'une heure, mais aussi 5 feats. Il y a notamment Zola, PLK, SCH, Maes et Niska. D'un point de vue global de l'album, je trouve qu'il y a une cohérence, notamment dans le mix, mais aussi dans les lyrics. Et surtout, je trouve que 13 blocs a bien évolué avec leurs gimmicks qui sont beaucoup mieux placés, beaucoup mieux mixés. Plus encore, il y a une énorme évolution aussi par rapport au premier album et aux anciens albums, parce qu'un membre avait toujours tendance à se démarquer des autres. Et dans ce dernier album, il y a une vraie alchimie qui s'est créée entre ces quatre. All P trouve les mots justes. The Four apporte toujours sa mélancolie qu'on lui connaît bien. Stavo détruit des immeubles avec son flow de ouf. Et Z trouve toujours des top lines de malade. Du coup, je vais vous dire mes trois titres préférés. Il y a Hep Sous Plata. Le poteau, il indique que Poucave dans la ville, on va devoir t'éteindre. Obligé de revenir rafaler si je perds tête à tête, putain de merde. Diplomatico, mais aussi Kobe, Fitzola. Et aujourd'hui, je m'entends à la radio. Groupe, groupe, wow, wow, wow. Et allez streamer l'album parce qu'il est vraiment énervé. Et si vous voulez vous réchauffer avec Dinos sous la couette, vous pouvez. Mais si vous avez envie de sauter avec 13 blocs, c'est parti. C'était Ambé00. N'hésitez pas à vous abonner à tous nos réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram. On est ensemble. Babex.